d'accord sur le rôle de la médecine. Est-ce que ça sert à soigner, donc à soigner des infertilités qui sont médicalement constatées? Est-ce que c'est un soin ou est-ce que c'est une prestation de service? Auquel cas, on change complètement de définition de la médecine. Je crois qu'il est nécessaire, au-delà de cette question, de réfléchir aux enjeux de l'ouverture et de l'extension de la PMA à toutes ces femmes. Comment est-ce que l'on peut mettre en parallèle un acte de confort qui serait la PMA ou un acte à visée thérapeutique au regard de notre législation sécurité sociale, je parle. Important que chaque euro dépensé par la sécurité sociale soit un euro dépensé à bon escient pour des traitements qui soient utiles ou reconnus comme utiles. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que le remboursement des actes ou des médicaments par la sécurité sociale puisse être un acte politique. Heureusement que ce qui est remboursé par la sécurité sociale obéit à des règles scientifiques. La crise des urgences, c'est la crise de l'hôpital. Et aujourd'hui, on constate qu'il manque 10 000 postes dans les urgences, il manque 40 000 postes dans les EHPAD.